Maintenant, nous appelons le frère de d'Haïti. Non, il est un frère de Miami. Miami. Ils sont venus, et ceux de Miami, levez-vous. Miami. Ils sont là. Levez-vous. Bon élément. J'ai été dans leur église. J'ai prêché la parole de Dieu là-bas. Et Dieu avait guéri beaucoup de personnes. À Miami. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le pasteur Bernard. Si quelqu'un peut chanter Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, qu'il fera. Pour l'introduire. Quand ta foi en Dieu, il le sait.
manquera pas. Quand la prédication commence, que ça ne vienne plus. Ce qui m'a dit, c'est que je vais communiquer ce soir. Jeep 4x4, good luck. 39, 69, AC 19. Je ne sais pas c'est quoi. Que ça soit déplacé. Jeep 4x4, good luck. 39, 69, AC 19. Quand est-ce que l'on a tourné ce qui est au tir à qui encore? Vous croyez qu'il va le faire? Bon, il est capable. Azana makoki. Bon Dieu béni. God bless you tonight. Que Dieu vous bénisse ce soir. How many are happy to be here tonight? Combien sont heureux d'être là ce soir? Boni ba sepeli kozala na pokwa oyo. Amen. I am really happy to be in the house of the Lord with the children of God. Je suis très heureux d'être dans la maison de Dieu avec les enfants de Dieu. Amen. And I want to thank God. Je veux remercier Dieu for giving me the opportunity to meet such a wonderful group of believers. De m'avoir donné l'occasion de voir un groupe de gens si merveilleux. Of all the places where I have been before, I can honestly say, je peux vous dire avec toute honnêteté, this is the most gentle, il y a des gens gentils ici, the most peaceful, les gens très paisibles ici, the most decent, les gens très décents ici, the most collaborative, les gens très collaboratifs, and the most God-fearing people that I have ever seen. Et vous êtes les gens qui craignent Dieu que j'ai vu. Now I know why our precious brother Bauti wanted me to come. When? Now I know why our precious brother Bauti wanted me to visit the country. Maintenant je comprends la raison pour laquelle j'ai vu ce que j'ai vu quand le pasteur Bauti a visité notre pays. I have met our precious brother Bauti, our pastor, few years ago. C'est vrai que j'ai rencontré notre pasteur Bauti il y a quelques années et l'équipe m'a beaucoup encouragé à m'occuper de monsieur Bauti. And since I met him, et depuis que je l'ai rencontré, I found him to be one of the most spiritual men that I have ever met. J'ai trouvé qu'il est l'un des hommes les plus spirituels que j'ai rencontré. Azali moko na batamoli moko leka on akuta na bango. I have been trying to imitate him. J'ai été inspiré de l'imiter. Because he is worthy of emulation. Et il est digne d'être imité. When he goes to Miami and preach, quand il s'agit de prêcher, I always receive a lot of compliments after he leaves. Après qu'il a prêché, je reçois toujours de grands compliments après qu'il a quitté. Because I am originally from Haiti. Parce que d'origine, je viens de Haïti. And the Haitians like African preachers. Et les Haïtiens aiment les prédicateurs africains. But those preachers who go to those denominations to preach, mais ces prédicateurs qui vont dans des églises dénominationnelles pour prêcher là-bas, they really ask for money. Ils vont là-bas pour demander de l'argent.
And they use a lot of gimmicks to try to get the people to give money. Et ils utilisent des trucs pour persuader le peuple qui leur donne de l'argent. They will tell, hit them sometimes 7 times with a Bible in the head. Des fois, ils peuvent prendre la Bible et se cogner la tête 7 fois. They will make them buy a little candle and different things. On leur fait acheter certaines petites choses, des gadgets. But whenever our precious brother Bahuti leaves, mais dès que notre pasteur Bahuti a prêché, maintenant il est parti, you will hear nothing but good testimonies. Vous n'allez entendre rien d'autre que de bons témoignages. Amen. You know, the more you know Jesus, the more you're going to love him. Vous savez, plus vous cherchez Jésus, plus vous allez l'aimer. And the more you know a true servant of God, the more you're going to love him also. Et plus vous connaissez un vrai serviteur de Dieu, plus vous allez l'aimer aussi. Amen. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Le diable est un menteur. And he has to try to hide himself. Il essaie de se cacher. Because the more you know about the devil, the more you're going to dislike him. Parce que plus vous connaîtrez le diable, plus vous allez les haïr. Amen. But I'm so glad it is just the opposite for God and his children. Sorry. Can you say it again, please? I am so glad it's just the opposite for God and his children. Mais je suis content que ce soit l'opposé pour Dieu et ses enfants. So I thank God for our pastor here. Je remercie Dieu pour notre pasteur qui est ici. And I want to tell you, when you have a good man who's telling you the truth, je dois vous dire que vous avez un homme véritable qui ne vous dit que la vérité. Brother Branham says you should honor that person. Frère Branham dit que vous devez honorer cette personne. If you don't want to honor him, I will take him and bring him to Miami with me. Si vous ne l'honorez pas, je le prendrai et je l'amènerai chez moi. Because we need him over there. Parce que là, nous avons besoin de lui. And all the other places that he has been to, people always love him. Partout où il est passé, les gens l'aiment. And I do believe you love him tonight, don't you? Je crois aussi que vous l'aimez vous aussi, n'est-ce pas? Lord Bahuti, we love you. May God bless you. Frère Bahuti, nous t'aimons et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. It's good to say that. C'est bien de le dire. The prophet of God for this age, Brother Branham. Le prophète de Dieu dans cet âge, Frère Branham. He says it's better to give somebody one flower when the person is alive. Il a dit il est mieux de donner à une personne une fleur quand il est encore en vie. Instead of waiting for the person to die and give a big bouquet to the person. Au lieu d'attendre que cette personne meure et lui apporter un grand bouquet de fleurs. So join me in saying thank you to God for Brother Bahuti. Let's applaud for him. Alors pouvons-nous applaudir Dieu pour notre frère Bahuti? Again, I'm humble to be here. Je suis humble en étant ici. And I would like to bring greeting for you, to you, not only
from the church in Miami, but from all the saints in Haiti. Je voudrais vous transmettre les salutations, non pas de Miami seulement, mais de partout où j'ai été. Bongo, nous avons besoin de Miami, Pambate, Kasiabisika, Nyoso, Nalekaki. We are six people from Haiti that are in this convention this time. Nous sommes à six qui sont dans cette convention ici maintenant, qui viennent de Haïti. How many of you would like to send greeting back to the people in Haiti? Combien voudraient envoyer des salutations à la population de Haïti là-bas? Amen. As I say, the church that God has given me to pastor is in Miami. Comme je l'ai dit, l'église que Dieu m'a donnée pour être pasteur se trouve à Miami. But I go to Haiti very often. Mais je vais en Haïti souvent. So I will share your blessing and your greetings to them, with them. Alors je vais partager vos bénédictions et vos salutations auprès d'eux. Amen. I am going to ask that you stand, please. Je vous demanderai de vous tenir debout. We are going to pray. Nous allons prier. And then we get into the word of God. Et nous entrerons dans la parole de Dieu. How many have a request and would like to be remembered in prayer tonight? Qui a une requête et il voudrait qu'on puisse penser à lui pendant ce soir? Qui lève sa main. May God grant each one the desire of your heart. Que Dieu vous accorde chacun de vos désirs dans nos cœurs. Amen. Amen. Let's bow our heads. Courbons la tête. Lord Jesus. Seigneur Jésus, we are so thrilled to be back in your house tonight. Nous sommes très heureux de revenir dans ta maison ce soir. And we bring a lot of blessings to you. Et nous recevons beaucoup de bénédictions de toi. For all that you have already done for us. Pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. We pray that you have preeminence tonight. Nous prions que tu prennes la prééminence ce soir. That you use the lips that will speak. Que tu utilises les lèvres qui vont parler. That you will anoint the ears that will hear. Et que tu oignes les oreilles qui vont t'écouter. So that just like yesterday. Pour que ce soit comme hier. We will be edified through your revealed word. Que nous puissions être édifiés dans ta parole écrite. Bless all that are present tonight. Bénis tous ceux qui sont présents ici ce soir. You have seen the hands that were raised. Tu as vu les mains qui se sont levées. And you know the needs that behind those hands. Et tu connais le besoin derrière chaque main. May you provide to everyone what the most desire of their heart. Puisses-tu donner à chacun les désirs de son cœur. May the sick be healed. Que les malades soient guéris. May those who have financial problems find solutions. Que ceux qui ont des problèmes financiers trouvent des solutions. May those who are bound be set free tonight. Que ceux qui sont liés soient déliés ce soir. And may the devil be trampled under our feet. Et que nous puissions marcher sur les diables ce soir. We take control of every spirit tonight. Nous prenons contrôle de tout esprit ici. In the name of Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. For the glory of God. Pour la gloire de Dieu. And for the edification of the people of God. Et pour l'édification du peuple de Dieu. May you speak, Lord. Parle, Seigneur. Lobe en colo.
We ask these blessings. Nous demandons ces bénédictions. For our pastors especially. Particulièrement pour notre pasteur. The visitors. Et pour tous les visiteurs. All the church members. Et tout ce peuple ici. We ask that you bless them in a special way. Nous prions que tu le bénisses de façon particulière. Our precious brother Paul, the leader of the trustees. Notre frère Paul qui est le président des administrateurs. Who has been so gentle, not only to us, but also to everyone that come in contact with him. Qui a été gentil non seulement à nous, mais à tout le monde qui l'a reçu. May you bless him. Puisses-tu le bénir. Like everyone else in this church. Bénis aussi tout le monde ici dans cette église. We count on you for the preaching of the word tonight. Nous venons maintenant avec la prédication de ta parole ce soir. In the name of Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Our Lord and Savior. Notre Seigneur et Sauveur. Who live forever and ever. Qui vit éternellement. Amen. Amen. If you would turn with me in Deuteronomy chapter 10, verse 12. Vous pouvez prendre avec moi dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Tu peux dire Deutéronome même au capo ya zomi ndela ya zomi na mibale. We're going to read three texts. Nous lirons à trois endroits différents. Tu côté tanga na bisika misato ya bokeseni. Deuteronomy 10, verse 12. Deutéronome 10, 12. Deutéronome, zomi, zomi, nami, balé. And the Lord said unto me, Deutéronome. I'm sorry, Deutéronome 10, verse 12. Yes. I'm seeing something else. That's not what I see. Où est le verset que nous avons marqué? Okay, okay, good. Thank you, my brother. And now, Israel, what does the Lord thy God require of thee? But fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. Maintenant, Israël, c'est quoi Israël, hein? Que demande que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Amen. In Matthew 7, verse 12. Maintenant dans Matthieu 7. Matthieu Mokapona Sambo. Verset 12. Therefore, all things whatsoever you would that men do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. And the last text is Galatians 6, verse 1 to 5. Le dernier, c'est dans Galates, chapitre 6, de 1 à 5. But if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such as one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Frère, Bandeko, si un homme vient à être surpris en quelque faute, soki moto aye kusala mabunga, vous qui êtes spirituel, bino batona molimo, redressez-le avec un esprit de douceur. Bovo kosembo la ena molimo ya bopolo. Prends garde à toi-même
de peur que tu ne sois aussi tenté. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. For if a man thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. For every man shall bear his own burden. Car chacun portera son propre fardeau. May God add his blessing to the reading of his word. Thank you, and you may be seated. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Merci et asseyez-vous. Amen. Our topic tonight is fulfilling the law and the prophets. Le sujet de cette soir, c'est accomplir la loi et les prophètes. We find out that God, in the beginning, had a plan in mind. Nous voyons que Dieu, au commencement, avait un plan. He called out a prophet by the name of Moses to deliver Israel. Il avait appelé un prophète du nom de Moïse pour délivrer Israël. After he gave them the prophet, he gave them the law. Après qu'il leur avait donné le prophète, il leur a donné la loi. And after he gave them the law, he gave them the tabernacle. Et après qu'il leur a donné la loi, il leur a donné le tabernacle. But the question is, why God gave them the prophet, the law, and the tabernacle? Mais la question c'est de savoir pourquoi Dieu leur a-t-il donné le prophète, la loi et le tabernacle? Bongo, motune za boy. Ndambe abezi bango mosakoli mobeko pe mongombo pona nini? Today we have the same thing. Aujourd'hui c'est pareil. Le law est dans ngemo ko. We have a prophet. Nous avons un prophète. Nous avons mosakoli. Or in our local church we have a good preacher. Ou dans nos assemblées locales, nous avons de bons prédicateurs. We have a God-given message for the hour. Nous avons des gens à qui Dieu a donné le message pour cet âge. And we also have a tabernacle, a temple. Et nous avons aussi un tabernacle ou un temple. Why has God given us that? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné tout ça? Deuteronomy 10, 12 answers that question. Deutéronome 10, 12 a répondu à cette question. So that we can learn to love God and to serve Him. Pour pouvoir apprendre à aimer Dieu et à le servir. Because this is the purpose of all the law and the prophets. C'est ça le but pour lequel il y a eu la loi et les prophètes. All the prophets were preaching just to get Israel to believe God and to love Him. Tous les prophètes prêchaient en Israël pour que Israël puisse croire en Dieu et puisse l'aimer. And Jesus came to earth, he says the same thing. Et quand Jésus est venu travailler, il a dit la même chose. You remember in Matthew 22, verse 34 and continue? Et vous savez, dans Marc 2, 22 à 24 vers les bas, when they asked Jesus, what is the greatest commandment of the law? Quand on a demandé à Jésus, quel est le commandement le plus élevé de la loi? Jesus says the greatest commandment is to love God.
Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. With all your heart. De tout son cœur. All your mind. De toute ta pensée. And all your thought. Et de toutes tes réflexions. And he says, I'm going to tell you the second one. Et je vous donnerai une deuxième loi. Which is similar to the first one. Qui est similaire à la première. You should love your neighbors. Vous allez aimer votre prochain. Like yourself. Comme vous vous aimez. So the purpose of the law. Bon, ainsi, le but de la loi. And all the prophecies from the prophet. Et de toutes les prophéties qui ont été données par les prophètes. Was to turn us into little gods on earth. C'est de nous amener à vers ces dieux là. To make us become amateur god. Que nous puissions devenir un dieu mûr. Dieu amateur. Amen. We become little god like God himself. On devient des petits dieux comme Dieu lui-même. Because Jesus said. Parce que Jésus avait dit. John 13:35. Par ceci vous reconnaîtrez. Par ceci que tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour, one for the others. Les uns pour les autres. Amen. Amen. So having love. Donc avoir l'amour. God. Devant Dieu, pour Dieu. Which is vertical love. Which is vertical love. C'est un amour vertical. Et là, bolingo, and then, having love for your neighbor. Il faut aussi avoir l'amour pour vos prochains. Which is horizontal love. Ce qui est horizontal. That's the fulfillment of all the message from God. C'est ça l'accomplissement de tous les messages que Dieu envoie. Amen. This is the essence of the message of the hour. C'est ça l'essentiel du message de l'heure. God is the word. God is the word. Dieu est la parole. And the word is the truth. Et la parole c'est la vérité. Bongo la lilobe ezali bosolo. If you can love the revealed truth for your day. Si vous pouvez aimer la vérité révélée de votre jour. If you can love your neighbors as well. Si vous pouvez aussi aimer vos prochains. That means God's law has been fulfilled by you. Ça veut dire que Dieu a accompli sa loi par vous. Amen. How many understand what I'm talking about tonight? Combien comprennent ce dont je parle maintenant? Jesus was God manifested in flesh. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. And we see that the gospel always travels from east to west. Et nous voyons que l'évangile voyage toujours de l'est vers l'ouest. Brother Branham says the sun travels like the gospel. Frère Branham dit que le soleil voyage avec l'évangile. It rises in the east, it sets in the west. Il se lève à l'est et se couche à l'ouest. The gospel began in Israel. L'évangile a commencé en Israël. Which is in the east. Qui est à l'est. And it went around the world. Et elle a contourné le monde. Going through Germany. Elle est passée par l'Allemagne. Elle est qui na Allemagne? By the reformation of Luther. Par la réformation de Luther. Natango mbongone ya Luther ezalamaki. Then it goes to England. Puis il est passé en Angleterre. Through the reformation of John Wesley. Par la réformation de John Wesley. Then it went to United States. Et il est passé aux États-Unis. And now it comes back to
it goes get to Africa. Et maintenant il s'approche vers l'Afrique. C'est quoi le gars dans l'angle d'Afrique? And it's already left the west side of Africa. Et il a déjà passé la partie ouest de l'Afrique. The revival now is in the central part of Africa. Actuellement, le réveil se trouve à la partie centrale de l'Afrique. United States has already rejected God. Les États-Unis ont déjà rejeté Dieu. That's why judgment is striking the United States. C'est pourquoi le jugement frappe les États-Unis. Haiti already rejected God. Haïti a déjà rejeté Dieu. Haïti basi basundo landambe. Europe as nations have already rejected God. L'Union européenne comme les nations là, ils ont déjà oublié Dieu. Bongo mboka bamboka ya papaya eboki ndambe. Even West Africa now is under judgment. Et même l'Afrique de l'Ouest est sous le jugement maintenant. Ata Africa o ela na tango bazai sikola ko sambisama. Because the revival is also dying over there. Parce que là aussi le réveil s'est déjà éteint. But here in the central Africa. Mais ici au centre de l'Afrique. The sun by grace of God is still shining. The sun is shining. Le soleil brille. Amen. Amen. But take advantage of it. Alors profitez-en. Profitez-en. Because the sun is going to leave to go to further to the east. Parce que le soleil va continuer son parcours vers l'est. And soon it's going to reach back in Israel. Et bientôt le soleil va retourner en Israël. Amen. If you look at the globe. Si vous regardez au globe terrestre, you will see that Israel and Congo are not on the same meridian. Vous allez voir dans le globe terrestre que Israël et le Congo, la RDC, ne sont pas dans les mêmes méridiens. But Israel is to the east of Congo. Parce que Israël se trouve à l'est du Congo, de la Congo. But not too far. Mais pas très loin. That means time is coming, my brothers and sisters. Ça veut dire que le temps est proche, frères et sœurs. When we won't be able to work anymore. Le moment vient où on ne sera pas capable de travailler encore. Today is the time to shine. C'est aujourd'hui le temps de briller. Today is the time to work. C'est le temps pour travailler. To get the last elect into the sheep hole. Pour trouver la dernière brebis et l'amener dans le pâturage. Today is the day to be baptized with the Holy Ghost. C'est aujourd'hui qu'il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Today is the day of salvation. C'est aujourd'hui le jour de salut. Today is the day of blessing. C'est le jour de la bénédiction aujourd'hui. Because today the Holy Ghost is here. Parce que aujourd'hui le Saint-Esprit est ici. Right now the Holy Ghost is present. Actuellement là, le Saint-Esprit est ici maintenant. And because he's present, et puisqu'il est présent, all things are possible to those who believe. Tout est possible à celui qui croit. God is visiting this nation. Dieu est en train de visiter cette nation. Do you believe that tonight? Le croyez-vous ce soir? Amen. Amen. I have never seen. Je n'ai jamais vu. A country, un pays with so many God-fearing people. Avec autant de gens qui craignent Dieu. In United States, aux États-Unis, you don't have to work
like 30 minutes. Vous n'avez pas à travailler, disons, 30 minutes. Before you can find some drug addicts. Vous ne pouvez pas faire 30 minutes de marche sans voir un drogué. People were crazy because they were using marijuana, cocaine or other drugs. Ils sont presque fous parce qu'ils prennent de cocaïne et de marijuana ainsi de suite. But here, I have been here for several days. I have not met one person like this. Et ça fait quelques jours que je suis ici. Je n'ai pas encore vu un seul comme ça. Bongo, Mikolo, in United States, in Haiti. Aux États-Unis et en Haïti. Bongo, en États-Unis et en Haïti. And some other countries where I have been. Et dans d'autres pays où j'ai été. You don't have to walk 15 minutes. Vous n'avez pas à faire 15 minutes de marche. To find some women that are indecently dressed. Sans voir une femme qui est mal habillée. Some women that are wearing shorts or bikinis. Certaines femmes portent des shorts, des petites culottes ou des bikinis. But here, even the people that are not in the message. Mais ici, même quand ce ne sont pas des gens qui croient. Même s'ils ne croient pas au message, I see them walking the street with long dress on them. Je vois les filles marcher dans la rue avec des longues jupes. And I said, praise God for these people. Alors je dis, merci Seigneur pour ces peuples. I said, let's bring them in. Mais alors, into the message. Mais alors, ramenez-les dans ce message. It's not going to be too hard for them to accept it. Ce ne sera pas difficile pour qu'elles puissent croire ce message. Mais we'll be just going to teach them how to pass the hallelujah test. Mais nous allons leur enseigner seulement comment passer le test de Alléluia. The Alléluia test is when you can lift off your arm and the hair of your armpit doesn't show. Le test de Alléluia, c'est que quand une femme lève la main comme ça, que son bras, que son aisselle ne se voit pas. Maybe we're going to just teach them how to pass the chin test. Et on peut aussi leur enseigner de passer le test de menton. The chin test is when a woman touch her chin, put her chin down, it should touch her clothes. If it doesn't touch the clothes, that means the cleavage is too open. Le test de menton, c'est que une femme, quand elle courbe la tête, son menton doit toucher son habit. Autrement, si le menton touche son corps, ça veut dire que le collet de sa blouse est trop grand. Amen. Maybe we're going to teach them how to remove jewelry and some of the things of the world on them. Peut-être qu'on peut aussi leur enseigner comment enlever les boucles d'oreilles et d'autres choses mondaines. But they look like they're very close to the kingdom of God. Mais à les voir comme ça, elles sont proches du royaume de Dieu. Amen. Maybe we're going to teach them the white baptism. Peut-être qu'on va leur enseigner le baptême d'eau. That no one was baptized, has ever been baptized in title Father, Son, and Holy Ghost, but everyone has been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Que dans la Bible, il y a personne qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Maybe we're going to teach them.
Peut-être qu'on va le renseigner. That God made all men of one blood. Que Dieu a créé tous les hommes par un seul sang. Makila. Because I have read where a theologian said. Parce que j'ai entendu des théologiens qui disent that God in the beginning created four Adams. Que au commencement Dieu a créé quatre Adams. A black Adam, a white Adam, a yellow Adam, and a red Adam. Adam ya mondele, moko ya moindo, mosusu ya pembe, ya ba jaune. No, this is not what the word of God says. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Acts 17:26 says. Acte 17:26 dit. Bongo, bizarre. Of one blood, God made all men. D'un seul sang, Dieu a créé tous les hommes. Brother Branham called that the human blood. Frère Branham appelle ça le sang de l'être humain. Bongo, ndeko Branham abengi yango makila ya moto. He says whether you are black, white. Il dit que vous soyez blanc ou noir. If we have the same blood type. Si nous avons le même type de sang. Bongo, makila lolenge kaka moko. We can give a blood transfusion to each other. On peut se transférer le sang de l'un vers l'autre. But he says, you dare not put the blood of an animal in you. Mais vous ne pouvez pas accepter qu'on vous remette le sang d'un animal. The animal blood will kill you. Le sang animal va vous tuer. But a white can give blood to a black. Mais un blanc peut donner son sang à un noir. Or vice versa. Ou le noir vers le blanc. Because God made us with one blood. Parce que Dieu nous a créé avec un seul sang. Which is the human blood. Ça veut dire le sang de l'être humain. Of course, we know that Cain came into the scene not through Adam. Nous savons que Caïn est venu to the scene not through Adam. Caïn est tombé dans le péché pas en passant par Adam. Eve fell in adultery with the serpent. Eve a commis l'adultère avec le serpent. Bongo Eve ta ki ekobo nanyoka. And produced Cain. Et cela a produit Caïn. Ne ba ekobo ta Caïna. Now you had two bloods now. Maintenant il y a deux sang maintenant. Siko makile komi mi balé. Naturally speaking. Naturellement. Na ndenge ekobo na ndenge mokili. But during the flood of Noah, mais pendant le déluge de Noé, tango yampela ya Noah, everyone on earth was destroyed except for Noah and his family. Tout le monde était détruit sauf Noé and his family. Noé et sa famille. Amen. Amen. What happened next? Ce qui s'est passé après, Tower of Babel. C'est le tour de Babel. And Brother Branham said, humans were scattered all over the earth. Et Frère Branham dit que l'humain a été écarté loin de la terre. Some people went to regions that are very cold. Certaines personnes, non, les gens se sont éparpillés. Certaines. Alors certaines personnes sont allées là où il fait très froid. And with time that caused some micro mutation. Small changes. Et les petits changements ont commencé. The people that are in cold region. Les gens qui habitent les régions tempérées. They become white. Ils sont devenus blancs. And their nose become pointy. Et leurs nez se sont pointus. Because they're trying to conserve the heat inside of them. Parce qu'ils essayent de conserver un peu de chaleur qu'ils ont en faisant. But the people that went to hot countries. Mais les gens qui sont allés dans des pays chauds. The sun make them black. Le soleil les a noircis.
You can read that in Song of Psalm 1 verse 6. Vous pouvez lire ça dans le Cantique des Cantiques 1 6. And when they're climbing those mountains of Africa, et quand on montait les montagnes de l'Afrique, they have to exhale the air from their bodies. Ils devaient faire sortir l'air depuis leurs narines. That causes the nose to open wide. Ça fait que nos narines sont un peu très ouvertes. And some people like go, went to like equator. Et il y en a qui sont allés vers l'équateur. Where it's not too hot. Là où il fait très chaud. Not too cold. Pas très froid non pas. And they become like brown skin. Pas trop chaud, pas trop froid, ils deviennent bruns. So you have all those races. Alors on a toutes ces races là. But there is a God's seeds on the earth. Mais la semence de Dieu se trouve aussi sur la terre. Amen. And the both races were mixed. Et les deux races se sont mélangées. But God still knows those who belong to him. Mais Dieu connaît toujours ceux qui lui appartiennent. And those who belong to him will hear his voice and accept his word for their days. Quand les siens vont entendre sa voix, ils vont la reconnaître et la recevoir. Therefore, my brother from Germany, c'est pourquoi notre frère qui vient de l'Allemagne of the same father as me. Il est du même père que moi. Even though I'm an African. Bien que moi je suis africain. Because we hear the same voice. Parce que nous écoutons la même voix. And we accept the same truth. Et nous avons accepté la même parole. Amen. Amen. It's not based on the color of your skin. Ce n'est pas basé sur la couleur de votre peau. But it's based on the seeds that's inside. Mais ça dépend de la semence qui est à l'intérieur. The children of God, les enfants de Dieu, hear God's word, écoute la voix de Dieu, and fulfill the law of God. Et ils accomplissent la loi de Dieu. You see, there are two laws. Vous voyez, il y a deux lois. There is the law of Moses in the Old Testament. Il y a les lois de Moïse dans l'Ancien Testament. And there is the law. And there is the law of Christ in the New Testament. Et il y a la loi de Christ dans le Nouveau Testament. The law of talion and the golden wool. La loi du talion. The law of talion. The law of Moses. La loi des talions de Moïse, uh-huh. And the golden rule of Jesus Christ. Et la loi dorée du Seigneur Jésus Christ. Amen. So you find that no longer should we be under the Old Testament law. Donc vous voyez qu'on ne doit pas se baser sur la loi de l'Ancien Testament. But a lot of people don't understand what the devil is trying to do. Mais bien des gens ne comprennent pas ce que le diable essaie de faire. The enemy does not want you to fulfill the law of God. L'ennemi ne vous aidera pas à accomplir la loi de Dieu. And some people become so proud of themselves. Et certaines personnes deviennent fières d'eux-mêmes. They don't want to sit with anybody. Ils ne veulent pas se mettre avec les autres. If you are ignorant of the law of God, si vous ne connaissez pas la loi de Dieu, you cannot fulfill the will of God. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. You must know the truth. Vous devez connaître la vérité. In order for you to practice the truth. Pour mettre la vérité en pratique. The worst ignorant. Les pires ignorants is the ignorant who thinks he knows everything. C'est celui qui pense qu'il connaît tout. You know, in the last days, et dans les années passées, Brother Branham says there will be mysteries revealed. Brother Branham dit qu'il y aura les mystères qui seront révélés. Talking about the seven thunders, for example. Par exemple, quand il parle des sept tonnerres.
In a message called Revelation, Book of Symbol. Dans la prédication Apocalypse, livre de symboles. He says, in the last days, these seven voices. Il dit que dans les derniers jours, ces sept voix. Would be known by the real true church. Seront connus par la vraie église. He doesn't say the false church will know the seven thunders. Il n'est pas dit que la mauvaise église va connaître les sept tonnerres. Non. But he says the true church will know the seven thunders. Mais c'est la vraie église qui connaîtra les sept tonnerres. In the fourth seal. Dans la prédication quatrième sceau. He said John knew what it was, but he didn't write it. Il est dit que Jean savait ce que c'était, mais il n'a pas écrit ça. Because he was forbidden to write it. Parce qu'il lui a été dit de ne pas écrire. In the Laodicea church age, he says. Dans l'âge de l'église de Laodicée, il est dit. He says, this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7. Ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7. He's going to do two things. Il fera deux choses. According to Malachi 4, conformément à Malachie 4, he will turn the hearts of the children to the fathers. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. And second, deuxièmement, he will reveal the mysteries of the seven thunders. Il révélera les mystères de sept tonnerres. Oui, of Revelation 10. Qui se trouve dans Apocalypse 10. And those mysteries are the revelation contained in the seven seals. Et ces mystères sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Amen. If you know what's in the seven seals, si vous connaissez ce qui se trouve dans les sept sceaux, the seven thunders are inside of you. Alors les sept tonnerres sont en vous. Amen. Amen. Everything that the seven thunders proclaim, tout ce que les sept tonnerres ont proclamé, have been revealed through the seven seals, ont été révélés dans les sept sceaux. Amen. Amen. We had three pools. Nous avons trois poules. Because we have three exodus. Parce que nous avons trois exodes. The first exodus, le premier exode, was coming out of Egypt. C'était de sortir de l'Égypte to go into Canaan, pour entrer dans Canaan. And the messenger was Moses. Et le messager c'était Moïse. The second exodus, le deuxième exode, was to come from law. C'était de quitter la loi and go into grace, et entrer dans la grâce. And the messenger was Jesus Christ. Et le messager c'est Jésus Christ. And now we're having the third exodus. Maintenant nous sommes dans le troisième exode, which is coming out of tradition and denominations. C'est de quitter nos traditions et nos dénominations and to get into the revelation of the seventh angel. Et entrer dans la révélation du septième ange. And the messenger, et le messager, is God's prophet for this age. C'est le prophète de cet âge ici. William Marion Branham. William Marion Branham. William Marion Branham. Jesus. Jésus. Jésus. According to Revelation chapter 1, selon Apocalypse 1, he only had seven stars in his right hand. Il a sept étoiles dans sa main droite. He didn't have eight stars. Il n'a pas huit étoiles dans sa main. Seven stars means seven messengers. Sept messages.
If somebody claims to be an eighth messenger, si quelqu'un dit qu'il est un huitième messager, he is not in Jesus' hands. Il n'est pas dans la main de Dieu. He is in the hand of the devil. Il est dans la main du diable. No preacher. Aucun prédicateur can have more light n'a plus de lumière than the messenger of his age. Aucun prédicateur n'a une lumière plus que la lumière de son âge. He is the stars. C'est lui qui est l'étoile. He is the sun. C'est lui le soleil. Il est le soleil. Amen. And we are little lips. Et nous sommes des langues that shining to a church, a local church, qui brille dans des églises locales. Amen. Some of us may shine to several churches. Some of us shine through many churches. Il y en a qui brillent pour beaucoup d'églises. Like our pastor here, Pastor Bauti. Comme notre pasteur d'ici, le frère Bauti. I understand he's more than a pastor. He's more than a pastor. Il est plus qu'un pasteur. Because he is also an apostle. Parce qu'il est aussi un apôtre. Amen. He doesn't only feed his church. Il ne nourrit pas seulement son église à lui. But he also feeding all the churches. Il nourrit aussi les autres églises. He's raising other groups for God. Il élève un peuple pour Dieu. Amen. But that doesn't mean. Mais cela ne veut pas dire. He should turn to another man. He should turn to another man. He should turn to an eighth messenger. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut devenir un huitième messager. Amen. He would never claim to be an eighth messenger. Il ne prétendra jamais être un huitième messager. But there are some people. There are some folk, some people, the Bible says. Il y a certaines personnes dont la Bible parle. They try to lift themselves up. Qui essaie de s'élever. And they say they are here to interpret what the prophet said. Et ils disent qu'ils sont là pour interpréter ce que le prophète a dit. God is his own interpreter. Dieu est son propre interprète. Amen. You know, Brother Branham shows that Moses had three pools. Vous savez, Frère Branham enseigne que Moïse avait trois poules. During the first Exodus. During the first Exodus. Dans le premier Exode. The first pool, according to Exodus 4, verse 4 to 9. Selon Exode 4, 4 à 9, le premier pool pour Moïse. Was to cast his staff down. Il devait jeter sa verge par terre. And it turned into a serpent. Et elle devenait un serpent. And when he grabbed it, it will turn back into a staff. Et quand il le rattrape, ça devient une verge, ça redevient une verge. The second pool. Le deuxième pool. Was to put his hand in his bosom. C'était de mettre sa main sous son aisselle. When he takes it out, it's full with leper. Et quand il le sort, c'est plein de lèpre. But when he puts it back, all the leper disappears. Et quand il la remet, toute la lèpre disparaît. And God told Moses. Et Dieu avait dit à Moïse. There will be a voice behind each sign. Il y aura une voix derrière chaque voix. Il y aura une voix derrière chaque signe. If they don't listen to the voice of the first pool. S'ils n'écoutent pas à la voix du premier pool.
They will listen to the voice of the second pool. Ils entendront la voix du deuxième pool. But if they don't listen to the voice of the two pools, mais s'ils n'écoutent pas la voix de ces deux premiers pools, then you can manifest a third pool. Alors vous pouvez manifester le troisième pool. Which is the creative power of God. Ça, c'est la puissance créatrice de Dieu. He says you can take water from the river. Il dit que vous pouvez prendre l'eau d'une rivière. Pour it down and it turns into blood. Et vous renversez ça et ça devient du sang. You can call darkness to come upon the country. Vous pouvez appeler les ténèbres dans le pays. You can create little animals in the country. Vous pouvez créer certains animaux dans le pays. Because now you are on the third pool. Parce que là, vous êtes dans le troisième pool. Brother Branham said Jesus had three pools also. Frère Branham dit que Jésus avait aussi trois pools. He says the first pool was divine healing. Il dit le premier pool c'était la guérison divine. He says the second pool was prophesying. Le deuxième pool c'était la prophétie. And the third pool. Et le troisième pool. Was the opening of the word. C'était l'ouverture de la parole. Amen. Amen. Brother Branham says here. Ici, Frère Branham dit. In anointed ones at the end time. Les oints du temps de la fin. The first pool was healing. Le premier pool de la guérison. Second pool prophesying. Deuxième pool prophétie. Third pool opening of the word. Troisième pool l'ouverture de la parole. The mysteries revealed. Les mystères révélés. There is no high. And remember. The third pool was the opening of the seventh seal. Souvenez-vous, le troisième pool c'était l'ouverture des sept sceaux. To reveal the hidden truth that's been sealed in the word. Révéler le mystère caché qui était scellé dans la parole. Amen. Amen. He says in another message called the voice of the sign. Dans la prédication la voix du signe. Luke 17 is the sign. Luke 17, c'est un signe. C'est le signe. But Malachi 4 is the voice. Mais Malachi 4, c'est la voix. The sign was like God manifested in flesh. Le signe, c'était que Dieu s'est manifesté dans la chair. Knowing the secret of the heart. Reconnaissant les secrets de cœur. But the voice of Malachi 4, mais la voix de Malachi 4 was turning the people away from their creeds. C'est de ramener les gens de quitter leur credo back to the faith of the fathers. Les ramener à la foi des pères. Signs are usually accepted. Souvent, les signes sont acceptés. But the voice, oh no. Mais la voix, oh non. The voice that follows the sign. The voice that follows the sign. La voix qui suit les signes. They don't want anything to do with that. Ils n'ont rien à faire avec ça. Jesus' sign as a Messiah to heal the sick. Les signes du Messie pour Jésus, c'était de guérir les malades. They accepted that. Ça, ils ont accepté ça. But one day, he said, mais il a dit, I and my Father are one. Quand il a dit que moi et le Père, nous sommes un, that voice was not accepted. Cette voix n'a pas été acceptée. No wonder people today. Ne vous étonnez pas que les gens aujourd'hui. They accept the first sign. Ils acceptent le premier signe. When Brother Branham was baptizing people on the river. Quand Frère Branham baptisait les gens dans le fleuve, dans la rivière. A light appeared. Une lumière s'est apparue. And nobody
has problem with that. Et là, personne n'a de problème. This is the first pool. C'était le premier pool. When the second pool came, quand le deuxième pool est venu, Brother Branham had the pillar of fire with him. Frère Branham avait la colonne de feu avec lui. Photograph over his head. Photographié sur sa tête. Nobody has problem with that. Personne n'a eu de problème avec ça. But when the third pool came, mais quand le troisième pool est venu, in the cloud appeared. La nuée est apparue. Then a lot of people cannot accept it. Alors là, beaucoup de gens n'ont pas accepté ça. Oh, let me tell you, my friend. Je vais vous dire, mon frère. God is on the scene today. Dieu est dans la scène aujourd'hui. And everything that must be revealed has already been revealed. Et tout ce qui doit être révélé a déjà été révélé. Today is your time to shine. To shine. Aujourd'hui, c'est votre jour de briller. It's your time to walk on the enemy. C'est votre tour de marcher, se marcher sur le diable, l'ennemi. I have been changed. J'ai été changé. Amen. I used to wear thick glasses. J'ai porté des verres. But for the past 20 years, God has delivered me. Mais ça fait environ 20 ans que Dieu m'a délivré de ça. I have prayed for people who cannot walk. J'ai prié pour des gens qui ne marchaient pas. And God made them get up and walk immediately. Et Dieu les a fait marcher immédiatement. I have prayed for people who are going to have surgery. J'ai prié pour des gens qui devaient passer par la chirurgie. But God came in the scene and canceled the surgery forever. Et Dieu est entré dans la scène et il a annulé la chirurgie. Oh, the third pool is here tonight. Frère, l'église, le troisième pool est ici. Ask whatever you want. Demandez tout ce que vous voulez. And you shall receive it. Et vous les recevrez. Amen. Amen. Do you want to fulfill God's will tonight? Vous voulez recevoir quelque chose ce soir? Let us stand. Lèvez-vous. And let us pray. Lèvez-vous. Hallelujah. Amen. Father, we come before you. Père, nous venons devant toi. In humility. Dans l'humilité. To ask for forgiveness for our sins. Pour demander pardon pour nos péchés. As John the Baptist said. Comme Jean-Baptiste a dit. When the soldiers went to him. Quand les militaires sont allés vers lui, in Luke 3, verse 14, dans Luc 3, 14, they say, what should we do? Les militaires ont demandé, qu'est-ce que nous on doit faire? Because we believe your message. Parce que nous croyons en ton message. He said, do violence to no man. Il dit, ne faites pas de violence contre quelqu'un. Do not commit any fraud. Ne faites pas de fraude. But be content with your wages. Mais contentez-vous de votre salaire, de votre paiement. Solde. Lord, help us to be like that. Dieu, aide-nous à être comme cela. So that we'll not detain people just to make money out of them. Qu'on ne puisse pas détenir les gens pour avoir leur argent. So that we will not sin with our lips. Qu'on ne puisse pas commettre des péchés avec nos lèvres. Saying that the message is incomplete. Pour dire que le message n'est pas au complet. But help us to know that everything that had to be revealed has already been revealed. Mais aide-nous à comprendre que tout ce qui devrait être révélé est déjà révélé. Help us to claim our healing. Aide-nous à réclamer notre guérison. Because it's been given to us. Parce que cela nous a été donné. Help us to receive the Holy Ghost. Aide-nous à recevoir le Saint-Esprit. Because it's been given to us. Parce que cela nous a été donné. Help us to receive love. Aide-nous à recevoir l'amour. Because it's been given to us. Parce que cela nous a été donné. Father, help us. Père, aide-nous. We commit the church to you. Nous remettons l'église à toi. We commit all the saints to you. Nous remettons tous les saints à toi. For a closer walk with you. Pour marcher très étroit avec moi. In the name of Jesus Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Our Lord and Savior. Notre Seigneur, notre Dieu. Who live forever and ever. Pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Thank you. May God bless you. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you. Merci. Matondi.
Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Et t'es la colonne à bord comme un casse-pied. Je crois que vous avez aimé. Nabanzi était bossé peli. Amen.